Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube RFCA 41 jeux. Bonne vidéo à tous. Bienvenue, ravi de vous retrouver pour ce match qui va débuter dans quelques instants. Et nous retrouvons donc l'AEK Athènes contre le Milan AC. Ici Grégoire Margoton avec Darren Tullet qui va nous aider à décrypter cette rencontre. Merci Grégoire, on en a parlé ensemble avant le match, on espère assister à une belle rencontre. Et regardons maintenant les deux compositions. Et c'est parti. Rodrigo Gallo. L'AEK Athènes cherche l'étincelle. Ouverture vers le poteau de corner. Le ballon dans la suite. Il met la tête. C'était bien fait, mais il manque le dernier geste. Super débordement, même si le marquage était un peu à la rue. Il joue avec le feu en ce moment en laissant autant d'espace sur les ailes. Ils auraient vraiment dû ouvrir le score là. Il avait tout le temps et l'espace pour mettre son équipe sur la bonne voie. Voilà Ventura. Il faudrait se projeter un peu plus pour être dangereux. Il écarte, il joue sur l'aile. Le bon dribble. Long ballon dans le sens du jeu. Un ballon intéressant. Quelle bonne passe. La frappe. Et il rate le cadre. Oh, mais c'est précipité tout ça. Il doit au moins prendre l'information pour savoir s'il n'a pas mieux à faire. Il a frappé vraiment trop vite. C'est vrai qu'ils ont laissé filer quelques occasions en route, mais il faut reconnaître qu'ils montrent beaucoup d'envie sur le terrain. Je pense que ça va leur réussir tôt ou tard. Choisit la profondeur. Lazaros. Livaja. Alors, que va-t-il faire? Et ce ballon sur l'aile. Ce ballon dans l'axe. Et cette tête! Et il manque le geste décisif. Le Milan AC profite de leur faiblesse sur les ailes. Remarquez, dans l'axe, ce n'était pas brillant non plus. Ils s'en sortent plutôt bien, je dirais. C'est vrai qu'ils peuvent regretter ces trois frappes ratées qui vont peut-être leur coûter cher au final. Ils sont quand même très très bien rentrés dans le match. Bonne interception, il y avait danger. Rodrigo Gallo, qui a un peu d'espace. Ils ont pris l'ascendant dans cette rencontre, mais pour l'instant, ça ne se reflète pas au tableau d'affichage. C'est vrai qu'ils sont bien dans ce début de match. Ils ont déjà quelques tirs à leur compteur et ça pourrait bien finir par payer. Voilà Ventura. Suso. 15 minutes se sont écoulées.
Aucune équipe n'a encore fait la différence dans cette rencontre. Tant qu'on le garde droit au but, il est inoffensif. C'était bien défendu, ça. Il joue dans l'espace. Bonne intervention, ça pouvait créer le danger. Pas de réussite sur cette balle en profondeur. Je crois qu'il s'est trahi avec le petit regard à son coéquipier là, juste avant la passe. On le tire. Pour trouver la faille dans la défense, dans la profondeur. Il tire. Oui, c'était puissant. Oh, un bon centre, devant le but. C'est osé, Kalinic. Ça peut faire mal s'il est servi. Rodrigo Gallo. Livaja. Quelle séquence de passes. Collectivement, c'est parfait. Premier corner dans cette rencontre. Allez, c'est dangereux. But pour la UK Athènes. Oh, l'opportuniste. Et quelle efficacité. Mais il faut communiquer dans ce genre de situation. Messieurs les défenseurs, vous êtes à la rue. Et ça fait donc 1-0. Bon, ça c'est fait. Maintenant, il va falloir garder ce tempo. Et le ballon qui est remis dans l'axe. Belle passe lobée sur l'aile. Le ballon s'en touche. Lazaros. Il glisse le ballon en profondeur. Quel timing dans l'interception. Rodriguez qui a un peu d'espace. Assez mal joué, ballon perdu. Ce ballon bien dosé. Le long dégagement du gardien. Pilia. La passe dans la profondeur. Lazaros. Ça manque un peu de solution. Pas assez précise cette passe. Voilà une bonne occasion de contre. Belle passe lobée. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Lazaros. Qui a de la liberté. Il décide d'allonger le jeu. La longue ouverture sur l'aile. Non, ça ne passe pas aujourd'hui. Rodrigo Gallo. Livaja. Il écarte le jeu. Il est bien monté. Il prend sa chance. Non, ça n'ira pas au fond. Il y avait du monde dans la surface là. C'était une belle occasion. On sait de quoi il est capable. Il fait partie de ces joueurs capables de créer le danger à chaque prise de balle. Il me ressemble beaucoup. Ballon récupéré, ça peut être dangereux. C'est déjà la pause, j'ai pas vu le temps passer désormais. Les entraîneurs rentrent en action. Les deux équipes regagnent donc les vestiaires avec ce petit but d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre.
Dites-moi, on peut retenir quoi de ces 45 premières minutes? Je ne sais pas ce que vous en pensez, Grégoire, mais je pense qu'il mérite beaucoup mieux. Regardez les stats, et surtout le nombre de tirs. Le score donc 1-0. On espère encore plus de jeux, de spectacles au cours des 45 prochaines minutes. L'arbitre siffle le coup d'envoi de la seconde période. Un petit but d'avance, ils font la course en tête pour l'instant. Longue ouverture en direction du poteau de corner. Le ballon s'en touche. Un long ballon vers l'avant. Pilia. Kalinic vers l'arrière. Oh, l'interception! C'est joué long. C'est puissant sur l'aile. Et le ballon a franchi la ligne. Ça manque de précision, dommage. Kalinic! C'est sans conséquence, mais quelle prise de risque inutile! Ça, c'est de la détermination. Il a provoqué cette erreur grâce à son pressing. Bien joué. Rodrigo Gallo. L'AEK Athènes qui cherche l'étincelle. Il choisit là-bas, sur l'aile. Allez, ça peut faire mal. Il centre, attention. Il allonge le jeu. Le milieu AC a l'air de se préparer à un véritable bombardement de centre. Oui, c'est vrai, il y a surpopulation dans l'axe. L'inconvénient, c'est qu'il laisse pas mal d'espace dans d'autres zones. Il tente de la jouer dans l'espace. Abatté. Oh, ce jeu de passe, quel régal. En retrait, il joue en profondeur. Ça va vite, oh, s'il lève la tête. Il peut tirer. Quel but! Et ça fait désormais 2 buts d'avance. Quel enchaînement imparable pour le gardien. Le tableau d'affichage indique désormais 2-0. 1-0, on n'est pas à l'abri, mais là, ils ont fait le break et ils peuvent gérer. Un long ballon. Qui est le premier sur ce ballon? Ça sent la frappe. Le centre est tendu. Livaja. Ils n'ont pas encore fait un seul changement, c'est important. Et ce ballon sur l'aile, il est passé. Il cherche un coéquipier. Voilà, il a préféré jouer la sécurité. L'AEK Athènes qui récupère ce ballon. La passe dans la profonde. Il va frapper! Aucune chance avec une frappe comme ça. C'était une frappe tonitruante, ça a bien failli mettre le gardien en difficulté.
ils sont forcément en confiance sur les corners. Un peu d'oxygène pour sa défense. S'il le trouve. Zuzo. Kalinic. C'est joué long vers le poteau de corner. Quel bon ballon, mais ça ne trouve pas preneur. Il y avait de l'idée là, mais le geste n'a pas suivi. Kalinic. Bilia. Livaja qui se montre intraitable dans ce match. Non, ça manque d'application. Le Milan AC qui procède à un changement. Le premier changement n'a pas franchement été décisif, alors là, l'entraîneur abat sa deuxième carte. Il allonge. Oh, le bon ballon. Il voit sa passe interceptée. C'était une bonne passe, mais la défense ne s'est pas laissée prendre. Ouverture vers le poteau de corner. Repiqué dans l'axe, peut-être. Il parvient à centrer. Et ça sort, corner à suivre. Le dernier coup de poker de l'entraîneur. Son entraîneur a senti qu'il n'avait plus de jus, alors il valait mieux le sortir maintenant, plutôt que le voir courir jusqu'à épuisement. Une très longue passe. Joli tacle. Oh, c'était engagé, mais pas de faute. Il met le pied, ballon récupéré. Il joue dans l'espace. André Silva. Pas facile de conserver le ballon. Oh, très bon ballon. Kalinic. C'était une bonne occasion, dommage. Ils avaient une vraie occasion de revenir dans ce match. Dommage. Abatté, qui ne résiste pas au contact. André Silva. Oh, c'est un arrêt important, ça. Ah oui, là, c'était magnifique. Un long ballon vers l'avant. Lazaros. Il glisse le ballon en profondeur. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Il joue long sur le côté. Ça va très vite sur le côté gauche. Et ce ballon sur l'aile. Il a tenté. Bien joué. La faute. Carton jaune, oui, c'est logique. Il conteste le carton, mais pas sûr que ça serve à grand-chose. Un coup franc pas évident, l'angle est plutôt fermé. Voyons ce qu'il nous réserve. Long ballon dans le sens du jeu. Le coup de sifflet final. Le match est terminé. Et un score qui reflète la physionomie de ce match. On s'est régalé tout au long de la rencontre. Franchement, c'est un spectacle qui réconcilie avec le football. Que retenez-vous de cette rencontre? C'est un succès pour l'équipe qui avait plus envie de jouer vers l'avant, de prendre des risques, de passer par les ailes. Tout simplement, à mon avis, c'est une victoire pour le football. Moi, j'aime lorsqu'on utilise les ailes comme ça pour étirer l'équipe adverse. Et il faut dire, ça a bien marché. Voilà, c'est fini pour ce soir. Merci, Darren, de nous avoir livré vos analyses tout au long de cette rencontre. À très bientôt. Salut.